Et merci de nous rejoindre pour cette sixième édition des tables rondes Trade Union organisée par le groupe OCP, toujours sous l'axe de la coopération entre l'Europe et l'Afrique autour des grands sujets de transition climatique et agricole. Nous avons tout au long de nos webinaires abordé plusieurs aspects de la transformation agricole et aujourd'hui nous nous attardons sur un sujet nouveau, celui de la formation. Alors, c'est un sujet majeur au regard de l'avenir de l'agriculture dans les deux continents et qui est d'autant plus important qu'il est finalement assez rarement abordé en tant que sujet de fond. Or, on le sait, aucune transition ne pourra réussir sans une formation adaptée. La transformation agricole nécessite des connaissances et des compétences à même de nous permettre de relever les défis du système alimentaire. Alors pour dresser un état des lieux, vous allez recevoir une note de présentation dans la chambre chat et en même temps, vous allez voir un slide qui va s'afficher sur votre écran, qui va donner quelques chiffres. En Europe, selon une note du Parlement européen parue en 2017, en moyenne, seuls 8,5% de la génération actuelle d'agriculteurs européens, une génération assez vieillissante, je précise, seuls 8,5% donc a reçu une formation agricole complète et 70% n'a qu'une expérience pratique individuelle, c'est-à-dire qu'elle a appris par ses propres moyens. Mais le nombre d'étudiants dans les filières agricoles augmente, signalant un rajeunissement futur, notamment en France, où près de 230 000 étudiants ont fait leur rentrée ce mois de septembre entre lycées agricoles, centres de formation et établissements supérieurs. Naturellement, ils n'atterrissent pas tous dans des exploitations agricoles, mais dans des métiers divers et variés de ce qu'on appelle les métiers du vivant, qui englobent les métiers de la terre, du végétal, de la forêt et du bois. En Afrique, selon un rapport de la Banque mondiale paru en 2020, alors même que l'agriculture contribue à 32% du PIB et emploie plus de la moitié de la population active, eh bien seulement 2% des étudiants du continent se spécialisent dans les filières agricoles. Pourtant, le système alimentaire africain continue à susciter une demande croissante et à offrir de bons débouchés. L'Afrique a donc besoin d'agrandir son vivier de compétences au sein des producteurs agricoles, des professionnels de l'industrie agroalimentaire, des entrepreneurs alimentaires, d'agronomes et des scientifiques agricoles. Et l'Europe, pour sa part, est appelée à imaginer une nouvelle façon d'attirer les jeunes et les talents vers ces métiers du vivant qui explorent désormais des sujets inédits à forte dimension climatique et agricole. Nous allons donc voir dans cette table ronde cette nouvelle façon de concevoir l'enseignement et la formation agricole, à la fois dans sa dimension universitaire académique, dans sa dimension formation professionnelle et conseils dispensés aux agriculteurs, mais aussi dans sa dimension marché de l'emploi, industrie agroalimentaire entre autres. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Blaisongo, président du réseau international Formation agricole et rurale, FAR, qui intervient depuis Yaoundé au Cameroun, où il occupe aussi la fonction de coordonnateur du programme Formation agropastorale et halieutique du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bruno Gérard, professeur et chef du département agro-bioscience à l'université Mohamed VI Polytechnique, spécialiste de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable. Bienvenue. Monsieur Jean-Marie Serroni, consultant agroéconomiste et membre de l'Académie d'agriculture de France. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Anastasia Boucheron, directrice des affaires sociales de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA. Bonjour. Alors, petite précision avant de commencer, pendant tout le webinaire, ceux qui souhaitent interagir peuvent toujours le faire via la chambre chat. Nous allons répondre à vos commentaires et à vos réactions dans le dernier quart d'heure. Et puis, je précise également que vous pouvez toujours revisionner cette vidéo sur la page YouTube de l'OCP. Et je commence par vous, Monsieur Jean-Marie Serroni. Pour savoir si les transformations de l'agriculture que vous suivez bien imposent une nouvelle manière d'appréhender la formation agricole. En Europe, cette logique de la fourche à la fourchette est-elle, selon vous, couverte par une offre de formation adéquate?
Oui, le métier d'agriculteur en Europe, en France en particulier, ce que je connais le mieux, est en train de changer assez vite. Et il va encore plus changer dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui change? D'une part, on est dans une économie ouverte, alors que l'agriculture française et européenne a été pendant longtemps très protégée des marchés. Donc on a des variations de cours importantes aussi bien pour les produits que l'on vend que pour les fournitures que l'on achète. Et on le voit en particulier en ce moment avec, par exemple, multiplication par deux ou par trois du prix des engrais. Et puis d'autre part, avec le changement climatique, on a des variations de rendement beaucoup plus importantes qu'avant. Et les choses vont se complexifier. Puisque dans l'objectif de la neutralité carbone en 2050 de la politique européenne, nous allons avoir une agriculture qui va utiliser de moins en moins de chimie, que ce soit au niveau de la fertilisation, notamment de la fertilisation azotée par rapport aux émissions de protoxyde d'azote à réduire, et d'autre part, par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc une agriculture qui sera de plus en plus à utiliser les cycles du vivant et de moins en moins la chimie. Donc tout ça, ça nécessite à la fois des compétences plus larges, des compétences commerciales que la génération, ma génération en début de carrière n'avait pas besoin, des compétences agronomiques, des compétences zootechniques de plus en plus importantes, et en même temps, je dirais, un état d'esprit, un savoir-faire. Un savoir-être, pardon, un peu différent. C'est-à-dire, quand j'utilise une agriculture très conventionnelle, il manque de l'eau, j'arrose, j'ai un pesticide ou une mauvaise herbe, je mets un traitement. Demain, je serai sur une approche beaucoup plus écologique, beaucoup plus systémique, je vais gérer des équilibres, et donc ça suppose de ma part le fait que j'accepte de ne plus maîtriser complètement pour gérer cet équilibre qui va bouger tout le temps. Et donc ça, c'est un autre état d'esprit, et c'est assez compliqué, et il va falloir que la formation intègre tout ça, et c'est pas rien. Merci pour cet appel. Il faudra que la formation intègre ce nouvel état d'esprit pour aller vers une agriculture raisonnée et pour pouvoir relever les défis des changements climatiques. J'enchaîne avec vous, Madame Anastasia Boucheron. Alors, justement, Monsieur Cerroni parlait de la diversification des métiers. On entend de plus en plus des métiers nouveaux comme chargé de projet sourcing durable, merchandiser responsable, chef de projet empreinte carbone. Tous ces métiers-là qui naissent dans les industries alimentaires et de la distribution, sont-ils réellement de nouveaux métiers ou une reconfiguration des compétences? Alors évidemment, il y a des deux, c'est-à-dire que effectivement, il y a une diversification des métiers, comme le disait Monsieur juste auparavant, qui est nécessaire. Mais du coup, effectivement, on crée de nouveaux métiers pour répondre aux nouveaux besoins, pour répondre aux transitions environnementales, climatiques, technologiques et numériques qui doivent être prises en main par les industries agroalimentaires pour modifier leur process de fabrication, pour proposer une alimentation finalement toujours plus sûre, plus saine et plus durable et surtout accessible à tous. C'est vraiment le point extrêmement important. Et en même temps, les métiers existants ne sont pas voués à disparaître, au contraire, ils sont voués à évoluer en fonction de la prise en compte de ces nouveaux enjeux. Donc finalement, c'est pour ça que les deux sont vrais et ces nouveaux enjeux amènent les entreprises à faire évoluer leurs salariés en leur sein. Et c'est ça aussi qu'on souhaite faire savoir et qui, à notre sens, doit nourrir l'attractivité de notre secteur, puisque pour porter ces évolutions, on a besoin de jeunes qui s'intéressent à notre industrie et qui vont pouvoir contribuer à ces évolutions et à transformer l'industrie agroalimentaire avec ces enjeux climatiques. Madame Anastasia Boucheron, je pense que vous aviez des slides à Oui. présenter. Un petit mot peut-être?
On va les passer là tout de suite. Oui, bien sûr. Je tenais simplement à vous présenter le secteur agroalimentaire en France. Ça me semblait important pour voir le poids que le secteur représente. Et avant toute chose, c'était de resituer l'industrie en fait au cœur de la chaîne alimentaire. On tient à le faire parce que on s'aperçoit que c'est pas toujours très clair. Et en fait, cette image, cette slide représente parfaitement où est-ce qu'on se situe et le fait qu'on soit un maillon de la chaîne alimentaire. Donc on intervient bien auprès de l'amont agricole pour transformer la production agricole. Et puis on intervient auprès de la distribution, effectivement, pour ensuite tout simplement remplir les rayons et proposer l'alimentation à tous. Donc c'est 70% de la production agricole française qui est transformée par l'industrie agroalimentaire, ce qui est important, et 80% des produits consommés en France qui sont fabriqués en France. Donc ça, c'est vraiment, il me semble, la force de notre secteur, c'est que on produit, on se sert de nos ressources françaises pour produire et ensuite distribuer. Je voulais également faire un point pour la slide suivante sur le secteur agroalimentaire en France, qui est le premier secteur industriel de France, avant l'aéronautique, par exemple, où effectivement on compte, alors le chiffre là, on est près de 16 000, on est aujourd'hui à plus de 16, on est à peu près à 16 400 entreprises qui composent le secteur agroalimentaire en France, dont 98% de TPE-PME. Et ce point-là est important pour nous parce que toutes ces entreprises-là, ces 98%, vous imaginez, ne sont pas situées qu'en Île-de-France, elles sont bien en fait situées dans tout le territoire. Et ça profite effectivement au développement économique des territoires, au lien avec l'amont agricole et les producteurs, et puis les productions, et du coup favorise une distribution au plus près des besoins. C'est 198 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est 18% du chiffre d'affaires industriel en France. C'est ce troisième secteur qui contribue à la balance commerciale française. Et puis évidemment, une exportation importante, hein, puisque la production française aujourd'hui vise à nourrir le monde. Et donc, on est quatrième exportateur mondial. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dernière slide, un petit focus sur l'emploi, puisque l'industrie agroalimentaire est également le premier employeur français pour l'industrie. Et donc, il s'avère que par cette slide, vous voyez la représentation parfaite de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 16 400 entreprises, 98% TPE-PME et ancrées au sein des territoires, réparties sur tout le territoire, avec des bassins d'emploi qui sont extrêmement dynamiques. Et donc, du coup, c'est ça qu'on souhaite valoriser et c'est ça qu'on souhaite mettre en avant et qui nous semble important parce que, encore une fois, il faut vraiment faire savoir au grand public, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi ou au public qui souhaite se reconvertir professionnellement, que probablement une opportunité professionnelle et de carrière se situe en tous les cas dans son bassin de vie. Très bien. Bon, 16 000 entreprises sur tout le territoire français, dont 98% TPE-PME. C'est quand même important. Quatrième exportateur mondial, premier employeur français. J'imagine les besoins en ressources humaines et en compétences diverses. Nous allons peut-être y revenir avec vous tout à l'heure. J'enchaîne tout de suite avec le point de vue africain. Donc, à travers vous, Monsieur Bruno Gérard, pour savoir aussi comment se présente la situation du côté académique. Vous êtes chef de département agro-bioscience à l'UM6P, qui est une université qui a été créée il y a quelques années, spécialisée dans la recherche appliquée et l'innovation, notamment sur les métiers agricoles à forte dimension technologique tournée vers l'Afrique. Sur le volet académique, comment voyez-vous le rôle de l'université dans la transition agricole? Merci. D'abord, en préambule, je suis universitaire depuis très peu de temps. J'ai rejoint l'université il y a un an, donc j'étais plutôt moi dans la demande de gens formés dans le domaine de l'agriculture. J'ai travaillé 30 ans en recherche pour le développement en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc, j'ai cet aspect demande aussi de voir comment doit-on former les jeunes cadres de demain et pas uniquement les agriculteurs. Je crois que vous avez fait une bonne distinction, Madame Lamélie, au début. Il y a les agriculteurs et très peu sont formés, en fait, par des formations techniques en Europe, mais encore moins en Afrique, hein. Donc, ça, c'est
c'est pas un domaine où je suis spécialiste, mais les gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, il n'y a pas assez de cadres en Afrique, c'est clair. Les formations sont là, mais elles sont sans doute à améliorer également. Peut-être revenir sur le point de Monsieur Séroni, en fait. Hein. Le monde change vite. Il y a des moteurs de changement qui sont importants, des moteurs qui peuvent être positifs, des moteurs qui peuvent être négatifs. On parle du changement climatique. On parle en Afrique d'une croissance démographique folle. Hein. On est entre 2,5 et 3% de croissance démographique par an. Ça veut dire un doublement de la population tous les 25-30 ans en Afrique. Donc ça, c'est un fameux défi hein, qui se rajoute au défi du changement climatique. Et on est évidemment dans une agriculture où les chaînes de valeur qui ont été décrites par Madame Boucheron existent très peu, hein, elles sont embryonnaires. Donc en fait, l'agriculture en Afrique reste une petite agriculture de subsistance et avec des enjeux qui sont bien différents. Et les chaînes de valeur, oui, c'est une façon de mettre de la valeur à l'agriculture. En fait, la valeur ajoutée à l'agriculture en Afrique n'est pas assez grande. Hein. Donc ça, c'est un gros problème. Et alors le fait aussi on a vu les transitions passer en Europe ou aux États-Unis, c'est un grand pourcentage de la population active dans l'agriculture qui passe sur les secteurs, d'autres secteurs primaires, secondaires ou tertiaires. Donc le défi de l'Afrique, c'est de produire plus, de produire mieux, de garantir sa sécurité alimentaire, mais également de développer des secteurs qui pourront absorber un nombre important de jeunes qui grandissent et qui ont certains un avenir dans l'agriculture et d'autres un avenir ailleurs. Donc pour en revenir aux besoins de formation, évidemment, le métier d'agronome, comme on le décrivait quand j'ai fait mes études, ça fait 40 ans, donc ça, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et les demandes sont vraiment diverses et complexes en fait, parce que qu'on travaille dans l'agroalimentaire, qu'on travaille au niveau d'un boulot de phytotechnicien, qu'on travaille au niveau des sciences du sol, c'est des métiers différents. Qu'on travaille pour le secteur public ou qu'on travaille pour le secteur privé, c'est toutes des choses extrêmement différentes. Donc, pour moi, l'université, c'est un endroit où on apprend à apprendre. Hein, et on apprend à travailler avec les autres. Donc, il n'y a pas uniquement les connaissances technologiques, il y a aussi les soft skills, comme on dit en anglais, le fait de pouvoir s'insérer dans des dynamiques positives du travail hein, qui amène à changer positivement le monde sous des enjeux qui sont colossaux. Et donc, ça, c'est important. Après, le métier a évolué, évidemment. Hein, et je pourrais peut-être en reparler un peu plus tard, mais bon, les nouvelles technologies sont d'application maintenant, et le numérique sont d'application dans les agricultures du Nord, ne sont pas encore vraiment en Afrique, mais il y a des raccourcis, en fait, pour utiliser ces technologies de manière innovante. Hein. Je crois que le raccourci de voir chaque agriculteur avec son petit téléphone portable, c'est peut-être une vision un peu simpliste du développement de l'Afrique. Pour moi, il y a des innovations technologiques à utiliser, mais à mettre en contexte avec des innovations financières et sociales. Ça, c'est les grands enjeux de l'Afrique. Donc, les formations qu'on donne au niveau de l'université devraient refléter ces besoins. Ces besoins qui sont énormes et non pas former uniquement des techniciens, mais former des gens qui peuvent mettre en contexte, travailler en équipe, aligner les choses. Et donc, on parle de l'agriculture, mais bon, Monsieur Séroni l'a rappelé, hein, l'agriculture n'est pas isolée. On parle maintenant de limites planétaires, on parle de l'environnement. Donc, c'est toutes les choses, c'est produire mieux, produire plus en polluant moins. Et ce sont des enjeux, en fait, quand on regarde l'Afrique et les pays développés, il y a un peu quelque chose de très choquant. En fait, le changement climatique a été généré par les pays industriels et c'est l'Afrique qui en souffre le plus. Donc, je crois qu'on a un devoir également d'aider l'Afrique et ne pas trop ennuyer l'Afrique avec des problèmes environnementaux, il faut les regarder, mais le plus important pour l'Afrique, c'est de pouvoir répondre au choc climatique, à la croissance démographique
Et au choc de marché, comme on le voit maintenant, en fait, avec l'augmentation des prix des engrais sur le marché, des prix des céréales importées, donc c'est un continent qui est vulnérable. Encore une fois aussi, c'est complexe. L'Afrique n'est pas un monolithe, hein. C'est des systèmes, c'est des cultures différentes, c'est des pays différents, des enjeux différents. Donc, il faut aussi éviter de généraliser, donc mettre la recherche en contexte pour trouver des solutions qui sont durables et quelque chose d'important. Merci à vous. Ne pas former uniquement des techniciens, mais mettre en contexte, l'agriculture n'étant pas un secteur isolé. C'est un message à retenir de votre intervention. Je me tourne vers Monsieur Pierre Blaise Angot, président du réseau Phare. Alors, Monsieur Bruno Gérard évoquait tout à l'heure les cadres en Afrique, les cadres agricoles en Afrique. En mentionnant le fait qu'ils sont quand même assez rares, enfin le nombre n'est pas suffisant. Votre réseau Phare est spécialisé dans la formation professionnelle et le conseil agricole dispensé aux agriculteurs dans 17 pays africains qui sont donc membres de votre réseau, essentiellement d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Vous êtes au cœur de l'Afrique agricole et rurale, où, comme on a dit tout à l'heure, près de la moitié de la population travaille dans les champs, mais avec une productivité qui reste faible et de plus en plus impactée par les changements climatiques. C'est une population africaine qui est généralement peu ou pas instruite avec, et qui n'a pas accès à l'encadrement agricole. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui motive ce faible taux d'encadrement agricole en Afrique? Est-ce des politiques publiques déficientes, un manque de financement? J'ai pas suivi les autres intervenants et c'est un peu gênant parce que je ne sais pas comment construire pour aller dans un continuum avec ce qu'ils ont évoqué. Mais je voudrais juste revenir un peu sur le cas de parce que vous parlez du taux d'encadrement. Il faut d'abord qu'on resitue légèrement le contexte. On est dans un contexte où il y a des tendances démographiques très lourdes, avec une urbanisation très galopante. Du coup, l'exode rural amène les jeunes vers les villes et où ils se retrouvent dans le sous-emploi. Donc, ça, c'est d'abord le premier cliché qu'il faut connaître dans l'environnement socio-économique. C'est un peu ça d'abord qu'il faut flécher. Maintenant, lorsqu'on voudrait regarder ce que vous avez appelé, ce qui reste d'abord dans le milieu rural, leur nombre est en train de baisser énormément, énormément, parce que d'ici à 2025, nous dépasserons près de presque 50 de gens plutôt dans le milieu urbain. Alors, donc maintenant, si on veut adresser l'encadrement, c'est l'encadrement de ce qui reste en milieu rural. Mais maintenant, il faut qu'on regarde très bien comment fonctionne le système éducatif dans nos pays. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous que ils sont pas trop, ils n'ont pas beaucoup fréquenté. Je crois que il faut un peu quitter ce cliché parce que plutôt un décrochage qui est assez. Il y a après le primaire, 60% décrochent. Alors, et quand du second du premier cycle au second cycle, il reste très souvent que 15% au second cycle. Mais maintenant, quelle est la réponse que le système éducatif donne à ces jeunes qui se retrouvent soit en milieu urbain, soit en milieu rural? Il faut d'abord partir du fait que sortant des économies avec une agriculture administrée, la poursuite du cursus en formation agricole débouchait sur l'emploi public. Alors, ce cliché n'a pas véritablement changé parce que ceux qui sont aujourd'hui en activité en agriculture font une agriculture, je dirais, subie, une agriculture par défaut. Une agriculture parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose, parce que le rêve d'abord, c'est aller fréquenter, pour être formé en agriculture, c'est chercher à être recruté soit par la fonction publique, soit devenir universitaire. Alors, du coup, on a tendance très forte de la formation agricole universitaire
universitaires avec des formations longues, diplômantes, au détriment de la formation qui prépare ceux qui changent de regard de l'agriculture, d'une agriculture mode de vie à une agriculture métier. Donc il y a d'abord un problème au niveau politique, c'est qu'au plan socio-économique, les gens ne considèrent pas, les jeunes ne considèrent pas la formation agricole comme un offrant un métier parce qu'elle est culturelle, un mode de vie. Donc, ça, c'est le premier élément. Maintenant, donc, avec la formation longue qui généralement ne débouche pas sur un métier. Maintenant, c'est donc dans ce travail d'intéresser les jeunes qui se prédestinent à un métier agricole que le réseau phare travaille à rénover les dispositifs pour les préparer à l'exercice des véritables métiers agricoles qui peuvent donc impulser le développement économique. Donc voilà un peu l'orientation qu'on a et on se retrouve donc avec une formation agricole atomisée entre différents ministères sectoriels de l'éducation à l'enseignement supérieur et très peu formant réellement au métier agricole. Et formant aux disciplines agricoles ne veut pas dire qu'on forme au métier agricole. Mais maintenant, si on regarde, puisque vous avez parlé du taux d'encadrement, ce qui est fait à partir des programmes gouvernementaux de formation continue des agriculteurs, des programmes supportés par les bailleurs de fonds en termes de former les agriculteurs en formation continue dans les chaînes de valeur et autres, ben on ne peut pas véritablement commencer à dire que le taux d'encadrement est faible parce que à ce moment, on a en plus de la formation que je viens d'évoquer, universitaire et technique, qui adresse très peu de métiers, mais on a en plus cette formation continue qui est plutôt adossée à des formules que les différents PTF au milieu réel pour pouvoir combler le gap de la formation. Voilà un peu le cliché qu'on a du point de vue de la formation qui prépare des métiers et du point de vue de la formation continue. Merci Monsieur Ongo pour cet éclaircissement sur le taux d'encadrement. Je retiens que en Afrique, le grand défi, c'est effectivement, comme vous avez dit, de changer de regard pour passer de l'agriculture en tant que mode de vie vers une agriculture comme métier. Et je pense que c'est ça le défi aussi de votre réseau phare en Afrique. Je me tourne vers vous, Monsieur Jean-Marie Serroni, pour une deuxième fois, suite à ce qu'a dit Monsieur Ongo. J'aimerais en fait vous faire réagir sur cette question du conseil agricole, parce que je pense qu'on en a parlé en amont de ce webinaire. Comment se présente le conseil agricole en Europe? Et puis j'enchaînerai sur l'attractivité de la formation agricole. Tout récemment, plusieurs mouvements de jeunes étudiants dans des instituts et des centres supérieurs ont témoigné d'un malaise générationnel. Ils se sont dit prêts à jeter l'éponge parce que leur formation n'était pas adaptée aux changements que traversent l'agriculture et le changement climatique. Cela est d'autant plus préoccupant que la profession agroalimentaire en Europe est en cours de vieillissement, comme vous voyez sur le slide qui s'affiche sur votre écran. Posons la question du changement générationnel. Vous avez la couleur verte et jaune, qui est quand même assez dominante dans ce camembert. C'est la population de plus de 55 ans. D'ailleurs, le Parlement européen s'en inquiète. Comment continuer à attirer les jeunes vers l'agriculture et plus globalement vers les métiers de la chaîne de valeur agricole, Monsieur Serroni? Donc, vos questions. Tout d'abord, sur le Conseil. En Europe, le Conseil est organisé de manière très différente d'un pays à l'autre. Il y a des pays dans lesquels il y a beaucoup de conseillers indépendants, libéraux. Il y en a d'autres auxquels ils sont payés par l'État. Donc, c'est très, très varié. Dans le cas de la France, où on a à la fois des conseillers, je dirais, semi-publics dans les organisations des types de chambres d'agriculture. On a des conseillers qui sont dans les organismes économiques, les coopératives ou les négociants. Et on a des conseillers qui sont payés directement
dans des organismes indépendants comme celles que j'ai dirigées ou des professions libérales, hein, qu'on a en gros trois types de conseillers. En France, on est, je pense, devant un challenge énorme d'évolution des métiers du conseil, puisque l'agriculture va beaucoup changer dans ses façons de faire, dans ses pratiques, dans ses techniques. Et donc, bien sûr, les agriculteurs devront s'adapter, mais les gens qui les accompagnent devront encore plus vite et encore plus tôt s'adapter. Et donc ça, c'est un challenge énorme qui est à la fois un challenge de formation initiale, mais les gens qui sont en place, pour certains depuis 20 ans ou 30 ans, ça n'est plus de la formation initiale, c'est de la formation continue et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils doivent changer de logique. Mais c'est surtout aussi les organisations de conseil, les organismes de conseil qui doivent adapter leur stratégie au nouveau contexte, peut-être même changer leur mode d'organisation. On a eu par exemple une loi en France pour séparer dans les coopératives ou les négociants le fait qu'on ne pouvait plus à la fois conseiller les agriculteurs et leur vendre des produits phytosanitaires. Il fallait séparer les deux. Ça n'a pas trop bien marché puisque dans la pratique, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc il y aura vraisemblablement une étape suivante plus draconienne. Donc on est à la veille d'un bouleversement important dans l'organisation du conseil et également de la recherche appliquée en amont du conseil, me semble-t-il. Vous me posez aussi la question des jeunes agronomes. Alors ça m'a personnellement interpellé puisque je suis issu de cette même école. Et donc c'est assez perturbant. Ces jeunes diplômés qui en gros disent on ne nous a pas appris ce qu'il fallait. D'une part, et d'autre part, finalement, on ne veut pas aller vers les métiers vers lesquels on nous destine. Ça ne concerne pas la production agricole, hein. Ça ne concerne pas du tout les agriculteurs. C'est vraiment les métiers autour de l'agriculture. Alors, quand on a 22 ou 23 ans, quand on sort de l'agro, ce qui était mon cas il y a maintenant plus de 40 ans, c'est vrai qu'on a envie de bousculer le monde. C'est normal, heureusement, on a envie de foutre les vieux dont je suis dehors, c'est normal. Mais eux, ils n'ont pas trop cette envie-là, justement. Ils disent, ce monde, il nous plaît pas, on se met à côté. Et on construit notre univers, on construit notre niche dans un monde qui nous convient. En disant, ben, on va être une élite avancée dans nos pratiques, les autres ensuite feront comme nous. Or, ce dont l'agriculture a besoin aujourd'hui, c'est pas ça. C'est les gens formés, des scientifiques formés, l'agriculture sera de plus en plus scientifique, des scientifiques formés qui vont au contact des agriculteurs et qui les accompagnent. Et ce qu'ils rejettent aujourd'hui, et j'ai ma fille qui est à peu près dans cet âge-là, qui a cette formation, qui m'a longuement briefé là-dessus, elle travaille dans une coopérative, c'est de dire, mais en fait, les organisations, par rapport aux changements importants, n'évolue pas assez vite. C'est pour ça que les plus jeunes refusent d'y aller. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas jeter la pierre à ces jeunes qui disent, à mon époque, post-68, on rentrait dans les organisations pour les bousculer, pour les changer. Bon, après, il faut voir. Ben, ça a quand même un peu changé. Eux disent, non, finalement, ça ne nous plaît pas, on va ailleurs. Et enfin, le dernier volet, c'est très minoritaire, hein, mais ça se répand et il y a pas mal d'organisations. Il y a d'autres écoles, et c'est très symptomatique, d'autres écoles qui n'ont rien à voir avec la question agricole, qui se posent ces questions. Et on a énormément, en marge de ces écoles, des gens qui se mettent à investir, notamment dans les biotechnologies ou dans la high-tech, enfin dans le numérique. Sur l'agriculture. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui privé qui arrive sur l'agriculture. Et enfin, le problème du renouvellement des générations est là spécifiquement pour les agriculteurs. Ce que je viens de dire ne concernait pas les agriculteurs. Concernant les agriculteurs, bon, on a la moitié, pas tout à fait la moitié, je crois, des agriculteurs en France qui ont plus de 55 ans, donc qui, dans les 10 ans qui viennent, ou peut-être un petit peu plus, seront amenés à prendre leur retraite.
Donc il faut une nouvelle génération. Bon, il se dit beaucoup en France qu'on aura du mal à faire ce renouvellement de génération. Personnellement, je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis pas trop inquiet parce que le métier d'agriculteur est un métier qui a du sens, est un métier qui a du sens en phase avec la demande et de la société. À tel point qu'il y a aujourd'hui pas mal de jeunes, je crois à peu près un tiers des jeunes qui s'installent, qui ne sont pas issus de la famille agricole, ou qui reprennent une ferme qui n'est pas leur ferme familiale, ou qui n'ont pas d'ascendant agriculteur à une ou deux générations. Donc c'est quand même très bon signe. Mais pour être attractif, il faut que la profession agricole a une responsabilité énorme, qui est plutôt de dire rien ne va. C'est le discours général de l'agriculture en France et un peu partout dans le monde. Rien ne va. Alors, quand on dit notre métier, c'est la catastrophe, rien ne va, il ne faut pas s'étonner que les jeunes qui ne sont pas totalement crétins, ils hésitent à venir. Mais si on leur dit c'est un beau métier, c'est un métier où on vit finalement assez bien quand même, hein, parce que les revenus agricoles ne sont pas si bas qu'on le dit. J'ai longtemps travaillé dans la comptabilité et la gestion, je peux vous en parler. En plus, c'est un métier dans lequel on est son propre patron et où on gère son temps. Et en fait, c'est une organisation de vie très particulière puisque le lieu de vie et le lieu de travail sont les mêmes. Donc parfois, on a l'impression de travailler à des moments où on ne travaille pas, on est chez soi. Donc c'est des métiers où on a aussi du temps. Il y a des astreintes, il y a des moments où on est complètement à la bourre, mais il y a des moments où on a du temps. Par exemple, un éleveur laitier spécialisé, je vis dans une région de production laitière très forte, le premier département laitier de France. Un producteur de lait spécialisé en production laitière bien organisé, évidemment, ne peut pas partir longtemps, il a une astreinte, mais dans la journée, il a pas mal de temps libre. Je connais près de chez moi une amie qui est agricultrice, qui n'est pas d'origine française d'ailleurs, qui est norvégienne, et qui me disait, mais j'ai choisi ce métier pour m'occuper de mes enfants, parce que j'ai du temps. À 8h30, j'ai fini de traire, 8h, je les lève, je les amène à l'école, ils reviennent pour manger, je suis libre, ils rentrent de l'école, quand ils étaient petits, vers 16h, je suis encore là pour leur faire les devoirs, et à 17h30, je vais traire. Donc, le mode de vie agricole est un mode de vie assez en phase avec ce qu'attend la société. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la ville pour revenir à la campagne, et certains pour être agriculteurs. Mais il faut aussi dire que le monde agricole dise, quand on est agriculteur, on gagne, enfin beaucoup d'agriculteurs gagnent quand même à peu près correctement leur vie. Il y en a qui n'y arrivent pas, c'est clair. Il y en a qui ne gagnent pas énormément. Mais en même temps, 1 000 euros chez moi dans le Calvados et 1 000 euros dans le centre de Paris, ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Le logement, ce n'est Bon. pas du tout pareil. Et il y a en France, je dis ça pour nos amis africains qui l'ont peut-être entendu, il y a eu des tas comment dire, d'informations qui ont couru l'année dernière, il y a 2 ans, disant qu'il y avait 40% des agriculteurs qui ne gagnaient pas 350 euros par mois. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Les chiffres officiels, et moi je valide ça en ayant pendant des années traité plusieurs milliers, enfin, pas moi, mais mon entreprise que je dirigeais traitait des milliers de comptabilités agricoles. Des agriculteurs, les prélèvements moyens, c'est-à-dire ce que les agriculteurs prennent sur l'exploitation pour vivre, en moyenne, c'est entre 20 et 25 000 euros, une fois toutes les charges payées. Donc, c'est pas la misère, on n'est pas milliardaire, hein. Par contre, la difficulté, c'est que comme le métier demande plus de compétences et des compétences plus larges, il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux qu'avant et des gens qui s'en sortent beaucoup moins bien. Et c'est ça tout l'enjeu de la formation et de l'accompagnement. Et il faut Oui, savoir que là, le je comprends revenu tout à fait. agricole en France n'a jamais été aussi élevé. Jamais. Et c'est vrai dans tous les départements et dans quasiment toutes les productions. Simplement, les différences de revenus entre les agriculteurs dans une même région n'ont jamais été aussi élevées. Et elles ont tendance à augmenter parce qu'il y en a
comme le monde bouge, il y en a qui savent s'adapter et qui tirent bien leur épingle du jeu, et il y en a qui ont du mal à y arriver. Et c'est là que la question de la formation initiale, de la formation continue et de l'accompagnement deviennent chez nous des enjeux majeurs. Merci de votre retour hein, sur la question des revenus des agriculteurs, que j'ai trouvé très intéressante. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure parce que je pense que ça va à l'encontre de ce qu'on entend sur la situation financière des agriculteurs. Vous avez rétabli leur lettre de noblesse aux agriculteurs français et européens en mentionnant entre autres que le mode de vie agricole est en phase avec la société et que les jeunes peuvent parfaitement s'y insérer, pas avec de grands revenus, mais en tout cas, c'est quand même un métier qui permet à ceux qui l'exercent de vivre. Je reviendrai peut-être tout à l'heure avec Madame Boucheron sur le recrutement des jeunes, mais avant cela, j'aimerais donner la parole à Monsieur Bruno Gérard. L'importance que prennent les nouvelles technologies au service de la production agricole. Monsieur Cerroni vient tout de suite de mentionner qu'il faudra des compétences pour pouvoir gagner plus sa vie. Ces métiers technologiques qui vont changer la nature des profils des candidats au métier d'agriculteur et dans l'agro-business d'une façon générale me poussent à vous poser une question. À quoi ressemblera l'agriculteur en 2030? Et quels sont, selon vous, finalement, les canaux de partage qu'on pourrait invoquer dans la formation agricole entre l'Europe et l'Afrique? C'est une question compliquée parce que l'agriculteur ressemblera. L'agriculture est diverse, donc un agriculteur type, même en Europe, en France ou en Afrique, je ne peux pas dire à quoi ressemblera un agriculteur en 2030. Et je suis content d'entendre des commentaires positifs de Monsieur Cerroni, mais il y a quand même des défis en Afrique au niveau de l'agriculture. Sur le métier. Donc moi, l'université ne forme pas des agriculteurs. L'université forme des métiers autour de l'agriculture, et ces métiers doivent être en fait de plus en plus intégrés dans des approches pluridisciplinaires, transsectorielles, etc. Donc ça, c'est quelque chose dans notre formation qu'on veut inculquer. À l'université, on a eu la chance de partir d'une feuille blanche il y a quelques années. Hein. Agrobiosciences a été créée en 2017. Au niveau de la formation, on se pose beaucoup de questions parce que quelle formation pour quel métier et pour quel marché, quel continent, quelle région dans le continent. C'est extrêmement complexe. C'est clair, il est clair que les nouvelles technologies bénéficient à tout le monde et vont bénéficier de plus en plus à tout le monde. Donc le fait est de former au niveau des universités des gens qui savent réfléchir, mais des gens qui sont aussi, dans le sens noble du terme, des polytechniciens, des gens qui peuvent mettre en œuvre des outils qui aident directement l'agriculteur. Hein. On parle d'outils d'aide à la décision, on parle de gestion d'itinéraires techniques, on parle de gestion du risque agronomique ou économique. Avec des systèmes d'information. Donc tout ça, c'est les technologies de l'information, le numérique, la digitalisation de l'agriculture. Donc ce sont toutes des choses qui vont aider. On travaille beaucoup sur tout ce qui est information numérique, cartographie des sols, qui permettent de prendre de meilleures décisions de production, de meilleurs investissements sur les intrants. Ça, c'est la recherche et le développement au niveau universitaire. Il faut encore qu'il y ait des structures de relais. Hein. Quand on regarde l'impact sur le terrain, la recherche, la création de la génération de technologies ou de savoir est quelque chose de primordial, mais il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des services de vulgarisation, il faut qu'il y ait toute une chaîne derrière pour que le petit agriculteur en Afrique en profite. Ça, c'est des défis qui dépassent largement le défi universitaire. On essaie d'amener notre brique à l'édifice. Et donc, au niveau des formations, oui, ce n'est plus des formations comme on avait il y a 10, 15 ans même. Hein. Les technologies de l'information, tout ce qui est modélisation, information géospatiale, tout ce qui est intégration de gestion des ressources naturelles dans la production. Et ça se peut se passer à différentes échelles parce que ce n'est pas directement un appui à l'agriculteur, mais ça peut être un appui au niveau des politiques agricoles,
des appuis en matière de gestion des ressources naturelles. Donc, il y a beaucoup de métiers, en fait. Donc, c'est ce que je disais un peu au début, c'est de donner aux jeunes qui viennent étudier avec nous les outils pour trouver pour pouvoir contribuer avec leurs connaissances qui sont à la fois techniques, technologiques et scientifiques à des stratégies de développement et des implémentations de stratégies de développement dans les pays d'Afrique. Donc ça c'est et donc on a des outils, on planche. Il y a beaucoup de la réforme de l'enseignement en agronomie est quelque chose qui est assez assez général. Je discute avec des collègues aux États-Unis, je discute avec des collègues en France, à Supagro, je discute avec des collègues en Afrique. Donc, il y a une remise en question de quelle formation pour quel métier en agriculture. Et je crois que c'est quelque chose, c'est un début pour élaborer des choses qui seront demandées et qui seront nécessaires également. Donc, je mentionnais aussi au niveau africain, il y a des réseaux. Et donc, nous, on est vraiment tourné au niveau de l'UM6P, on est tourné vers l'Afrique. Donc, on fait partie d'un réseau qui s'appelle RUFORUM. Et donc, je crois qu'il y a à peu près 150 universités africaines qui en font partie. Et donc, c'est la manière de se structurer. On sait que les ressources en Afrique ne sont pas pour l'éducation, l'enseignement, ne sont pas très très larges. Donc en fait, une chose importante, c'est de pouvoir se structurer et d'avoir des pôles de compétences, des pôles de formation et de pouvoir former assez de gens, parce que s'il y a en Afrique, il y a une question de qualité, mais il y a aussi une question de quantité. Il y a une forte demande. L'agriculture fait toujours vivre directement 60-70% des populations. Donc, c'est quand on parle de sécurité alimentaire, c'est d'abord les gens qui produisent, qui travaillent sur leur propre sécurité alimentaire. Donc, il y a vraiment un enjeu énorme. Et la transformation, évidemment. Les systèmes africains vont se transformer. On a parlé d'une professionnalisation, et c'est quelque chose de bien, parce que c'est ce qui permet d'attirer les jeunes à nouveau vers le métier d'agriculteur. Ce qu'on voit maintenant, comme M. Cerroni en a parlé, ce qu'on voit en France, il y a une attractivité pour le métier du fait des nouvelles technologies. Je vais peut-être parler de l'aspect gadget. On est beaucoup à aimer les gadgets, donc travailler avec des gadgets et produire mieux et gagner plus, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc pour ça, il y a des choses. Moi, je suis très gadget, en fait. J'ai l'air sérieux, mais je suis très gadget. J'aime voler des drones. Je fais beaucoup de choses comme ça. Donc, le métier de l'agriculture, la mécanisation en Afrique, la petite mécanisation, c'est quelque chose qui est sous-développé. Là, quand on regarde la productivité du travail en Afrique, mais c'est effrayant. Et ça concerne principalement l'emploi de femmes et d'enfants dans des tâches qui sont extrêmement pénibles. Donc, tout ce qui est lié à la petite mécanisation, à la mécanisation appropriée, je crois qu'il y a des opportunités énormes. Voilà, je m'en tiens ici parce que je crois que j'ai déjà parlé trop. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on est tous gadgets dans ce plateau. Les défis de l'Afrique, effectivement, vont de plus en plus, comme vous le signalez, demander une diversification des métiers, une intégration des métiers sur toute la chaîne de valeur agricole. Vous me donnez la brèche pour poser la question à Madame Anastasia Boucheron. Justement, quels sont selon vous les domaines où il faut fournir un effort en matière de formation? Là, je pense tout de suite à des disciplines comme le bio, l'agritech, mais je pense que vous avez beaucoup plus de précisions sur ce sujet. Quels sont les besoins de recrutement et comment attirer les jeunes dans votre secteur? Alors, sur les domaines où il faut fournir un effort en matière de formation, je vais pas clairement, je pense que en ayant conscience des enjeux de l'industrie aujourd'hui, je parle en matière d'évolution des modes de production, comme je le disais tout à l'heure, avec l'amélioration des machines, l'intégration de l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation des lignes de production. Il est évident que toutes ces évolutions amènent des connaissances techniques qui doivent être effectivement transmises, inculquées aux jeunes et aux étudiants.
Par ailleurs, ces enjeux de décarbonation dans lesquels l'industrie, et notamment l'industrie agroalimentaire, s'engage pleinement, engendrent là aussi forcément des modifications à opérer au sein des formations, puisque celles-ci doivent prendre en compte, les enseignements doivent prendre en compte ces enjeux-là de décarbonation. On arrive sur des sujets très techniques, sur un impact à la fois global et à la fois beaucoup plus localisé sur les modes de production, sur l'impact du produit, sur les modes de consommation. Donc voilà, de manière assez globale, les formations aujourd'hui doivent prendre en compte tous ces éléments-là. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi, c'est que peut-être qu'on a pu assister à une généralisation des formations, alors même que l'industrie agroalimentaire a une telle diversité de métiers, de par la diversité de ses sous-secteurs d'activité et de ses produits, que le secteur alimentaire est assez exigeant en matière de connaissances techniques et spécificités produits. Tout à l'heure, on parlait du secteur d'activité sur le lait. L'industrie agroalimentaire et laitière demandent des connaissances très spécifiques, puisqu'on évolue aujourd'hui dans un cadre réglementaire de plus en plus contraint. Donc nécessairement, un jeune qui sort d'école et qui a pu avoir une formation très générale, malheureusement, va pas forcément trouver du sens à aller travailler dans telle ou telle industrie, donc laitière ou, je sais pas moi, le biscuit, les céréales, voilà. Parce qu'en fait, il lui manque cette approche-là. Donc, à notre sens, il faudrait effectivement travailler peut-être sur une spécialisation peut-être un peu plus approfondie. On voit, ça me permet de faire le pont avec l'Europe, la situation européenne au niveau agroalimentaire. L'Europe, dans son ensemble, connaît les mêmes difficultés d'attractivité, de recrutement sur ces métiers comme beaucoup disent autour de l'agriculture, donc l'agroalimentaire en fait partie évidemment, et pour ce faire, travaille aussi sur des formations, sur des nouveaux modes de formation. L'ANIA participe à ces travaux et j'en ai deux en tête. Il y en a un pour rejoindre ce que je disais sur la spécialisation, sur l'approche produit, sur l'approche activité, sur le sens, cherche à généraliser les mises en situation, l'immersion professionnelle au sein des secteurs d'activité et des entreprises pour professionnaliser un petit peu la formation, tout en lui donnant évidemment tous les enseignements généraux et théoriques utiles aux métiers qui seront exercés, aux métiers au pluriel, j'entends, important, qui seront exercés ensuite par la suite par ces étudiants. L'autre exemple aussi, c'est qu'on assiste à un développement de modules de formation en réalité virtuelle pour peut-être aujourd'hui un peu plus adapté à des métiers d'opérateurs, sur les lignes de production, faciliter la prise en main des outils, la connaissance technique des outils qui seront mis à disposition sans entreprise sur les chaînes de production, mais qui sont aussi certainement des modules de formation qui seront tout à fait adaptés à des directeurs en maintenance, parce qu'aujourd'hui on évolue, la technologie évolue, hein. Quelqu'un dans la maintenance ne vient plus avec sa clé pour venir serrer des boulons. Il s'agit aujourd'hui de maîtriser une technologie suffisamment évoluée et donc et de comprendre en fait comment la technologie réagit avec les machines. Et donc ces modules de formation pourraient être tout à fait adaptés à ce type de métier-là. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie formation. Et puis pour la partie recrutement attractivité. Avant la crise sanitaire en France, en agroalimentaire, on notait que 30 à 40 000 postes par an restait à pourvoir. Essentiellement, effectivement, sur les métiers en tension, donc sur la partie opérateur, conducteur de ligne et puis technicien de maintenance. On voit aujourd'hui que ces difficultés à recruter tendent à concerner tous les autres métiers, c'est-à-dire les commerciaux et puis des fonctions peut-être un peu plus support. Et puis, demain, certainement, peut-être des difficultés rencontrées sur le recrutement de cadres, d'ingénieurs, au regard des mouvements qu'on a pu observer, notamment pour l'agro-baritech. Donc avant crise, c'était une entreprise sur deux qui estimait qu'elle avait des difficultés à recruter. Maintenant, après la crise sanitaire, on observe que c'est 70% des entreprises de l'agroalimentaire qui ont des difficultés à recruter. Donc, ces difficultés sont plutôt croissantes.
Donc ça c'est un premier point sur l'état des lieux des recrutements en agroalimentaire en France. Et je tiens à ajouter un second point, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question du changement générationnel. Si en agriculture, c'est un agriculteur sur deux qui est amené à partir à la retraite d'ici 2030, sauf erreur de ma part, d'ici 2030, dans l'agroalimentaire, c'est un tiers de la population qu'il va falloir renouveler. Donc, on a besoin de ces jeunes, on a besoin de leur expliquer, enfin, en tous les cas, ils sont très, très, très au fait de la situation, donc c'est pas forcément leur expliquer, mais en tous les cas, de leur faire prendre conscience que l'industrie agroalimentaire s'inscrit pleinement dans ces transitions, ces enjeux de décarbonation, etc., et que le sens, on peut le trouver, et effectivement, construire un modèle à côté, en parallèle du modèle existant, la question se pose de c'est plutôt comment on accompagne le modèle existant pour aller plus vite au regard des changements qui s'opèrent pour prendre en compte tous les enjeux qu'on a évoqués auparavant. Clairement, sur les aspirations des jeunes, je participais hier à un événement sur l'agroalimentaire. L'agroalimentaire s'empare de ces sujets sur avoir des fournisseurs locaux. D'accord? Donc, on parlait tout à l'heure de territoire, c'est je suis en Bretagne, je suis dans le Calvados, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, comment est-ce que on se fournit localement? L'agroalimentaire prend pleinement en main ces questions d'économie circulaire, bien évidemment, ces questions de lutte contre le gaspillage alimentaire, et comment est-ce que l'industrie alimentaire fait en sorte de donner envie aux consommateurs aussi de s'inscrire dans cette dynamique, parce que c'est là aussi l'enjeu. Et je pense que ces jeunes qui aspirent à ce sens, à ces changements de consommation, à ces changements de mode de production, etc., peuvent y contribuer et peuvent accélérer ces changements, ces évolutions. On a appris qu'un tiers de la population est à renouveler dans le secteur agroalimentaire. Je ne connaissais pas ce chiffre. Merci de le signaler. Ce qui veut dire que les défis de recrutement sont encore plus grands depuis d'ailleurs la crise de la COVID-19. Et cela ne concerne pas uniquement le secteur agroalimentaire. Évidemment, je rappelle que ça concerne aussi le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et différentes activités. On arrive à mesurer quand même ce combien le sujet de la formation est un sujet vaste et qui implique plusieurs métiers, qui implique en fait une intégration de beaucoup de nouvelles connaissances. J'ai envie de faire réagir Monsieur Ongo, parce que là, sur la formation professionnelle, il y a un défi qui se pose en parlant de compétences pluridisciplinaires. Le métier d'agriculteur est en train de muter, on l'a vu depuis le début du webinaire. De plus en plus, le producteur doit recourir à une panoplie de connaissances, Monsieur Ongo, pour accéder au marché. Ça va de l'utilisation des nouvelles technologies, comme on a vu, jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation, la logistique. Comment faire muter la formation technique, technicisante, pour aller vers une vraie formation de compétences pluridisciplinaires? Monsieur Ongo, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'il y a un souci au niveau du son. Ah, il y a un problème de Allô, son. Je vous plaît. Oui. Vous me situez? Oui, on vous entend, Monsieur Ongo, oui, allez-y. Oui. Je voudrais donner un angle de lecture pour pouvoir muter, comme vous avez évoqué. Je voudrais d'abord donner l'angle de la construction des métiers. Il faut véritablement que les métiers répondent à la demande, à la nouvelle demande sociale et économique. Parce que nous sommes plus dans les demandes antérieures, nous sommes en pleine mutation. Il vaut mieux d'abord, dans un premier temps, que la réponse à la demande soit réorientée pour qu'on soit véritablement
dans la demande des jeunes, dans la demande de la société aujourd'hui, dans la demande de l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Le deuxième basculement me semble être aussi un basculement pédagogique. Ce n'est plus des recettes fussent-elles conçues par la recherche. Ce n'est plus des recettes dont on a véritablement besoin d'un ensemble de compétences méthodologiques qui permettent au jeune lui-même de raisonner son projet de vie. Donc, pour moi, c'est ces deux orientations. Dans la construction des métiers, il faut véritablement que les ingénieurs de formation arrivent à construire le métier pour qu'ils répondent à la demande sociale et économique en termes d'analyse de l'emploi et de l'analyse du travail. On a perdu Monsieur Angot. Bon, je pense qu'on reviendra vers vous. Les jeunes aujourd'hui. Ah, il y a des coupures. Les jeunes aujourd'hui ont besoin qu'on leur permette eux-mêmes de construire le chemin en leur donnant plus de compétences méthodologiques, des compétences d'analyse du système pour pouvoir raisonner par eux-mêmes les changements à introduire dans leur projet, qu'il soit environnemental. Non, je pense que la connexion s'est coupée. Ce sont les aléas du direct. On reviendra peut-être vers M. Angot tout à l'heure. Pour le moment, j'aimerais vous faire réagir sur les questions du public. Hein. On en a déjà reçu pas mal. Alors, et je commencerai par vous, Monsieur Bruno Gérard, je pense que la question vous est adressée. Dans quelle mesure les échanges Erasmus peuvent-ils dynamiser les partages Europe-Afrique sur la formation des métiers agricoles? Et y a-t-il assez de rapprochement entre le monde de la recherche j'attendais cette question. Y a-t-il assez de rapprochement entre le monde de la recherche, entre les think tanks spécialisés dans les changements climatiques? Vous-même, vous avez été membre du CGIAR, ce fameux réseau de partenariat. Y a-t-il assez de rapprochement donc avec ce monde de la formation et le monde de la recherche? Donc, d'abord, la première question au niveau d'Erasmus et tout programme d'échange, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que pouvoir créer une dynamique où des jeunes voyagent, rencontrent d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler, c'est toujours positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut, au niveau de l'université, on essaie d'encourager ces échanges. Hein, donc on a une vision sur l'Afrique hein, et on a investi d'une mission pour le développement de l'Afrique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça peut être à l'échelle du continent, ça peut être des échanges globaux. Hein. Moi, je n'ai pas de, au niveau des échelles à laquelle on fait des échanges, je suis tout à fait agnostique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à développer parce que ça fait partie d'un bagage d'un bon cadre de demain. C'est de pouvoir voir ces problèmes avec des yeux qui sont ouverts à des solutions qui sont parfois exogènes. Donc, c'est important. Donc, la deuxième question était sur les tours d'ivoire, en fait. La recherche, en fait, bon, ça fait 30 ans que je travaille pour le CJAR. J'ai passé 17 ans au Niger, en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire qu'on était très proche du terrain. C'est au moment où la recherche participative était vraiment à la mode. Donc, on est tous passés par beaucoup, beaucoup de terrain et pas uniquement du technique, hein, pas uniquement des essais agronomiques de réponse aux engrais, mais beaucoup d'interactions avec les communautés. La compréhension, en fait, des systèmes est importante, la compréhension des problèmes. Donc, et c'est clair que cette lien entre recherche, recherche-développement, recherche-application, c'est une bonne question. Mais on parlait des nouvelles technologies. En fait, les nouvelles technologies, elles sont ici de la recherche appliquée, hein, c'est pas, et même de la recherche fondamentale. Donc, le fait que l'industrie... et on prend des choses à l'industrie et on donne des choses à l'industrie. Donc, y a déjà cet échange au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies.
Et le fait de travailler en immersion aussi. Donc, c'est important d'ancrer ces problèmes. Et c'est la définition des problèmes quand on travaille au niveau de la recherche, parce qu'en fait, l'université, ce n'est pas uniquement de la formation, c'est de la recherche et c'est de la formation des chercheurs aussi. Donc, ça, c'est important parce que les chercheurs de demain seront ceux qui plancheront sur des solutions en agriculture et ailleurs. Mais. Donc voilà, moi je n'ai pas l'impression qu'on nous sommes des tours d'ivoire. Il y a parfois des chercheurs qui sont de manière thématique très branchés sur leurs problèmes. Hein. On parle souvent de hobby horse en recherche, donc c'est quelqu'un qui est intéressé par quelque chose que personne d'autre ne voit comme intéressant, mais qui quelqu'un qui publie. On essaie d'éviter ça. Hein. On essaie justement de travailler sur des approches qui sont plutôt sur la théorie du changement, sur l'identification des besoins d'une manière systémique. Mais bon, ça, la recherche, il y aura toujours des chercheurs qui seront sur leur planète. Hein, et ça, je crois que ça fait partie aussi du monde de la recherche et du monde universitaire. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais bon, je crois qu'il y a vraiment un effort de la recherche d'ancrer nos recherches dans la réalité et dans la problématique. La question se pose. Je passe à vous, Monsieur Serouni, pour une petite question. Alors, il y a pour vous, il y a aussi pour Madame Boucheron. Monsieur Serouni, nous avons un membre du public qui exprime une inquiétude, en fait, sur les savoirs autochtones. Les savoirs autochtones se sentent perdus en Europe à cause de la mécanisation. Comment arriver à une formation professionnelle qui concilie entre savoirs locaux et innovation technologique. La question d'ailleurs se pose parfaitement aussi pour le cas de l'Afrique. Et puis une deuxième question, l'agriculture urbaine est-elle une vraie discipline? En 2 minutes chrono, nous arrivons déjà à 12h16. Alors, l'agriculture urbaine, je ferai une réponse très très modeste, car je connais assez mal l'Afrique. Je connais un petit peu l'Afrique du Nord pour avoir vécu en Algérie quelque temps, mais très très mal l'Afrique subsaharienne dans laquelle je suis allé, mais pas très longtemps. Je pense que le contexte de l'agriculture urbaine à Paris et de l'agriculture urbaine en Afrique de l'Ouest est fondamentalement différent. Ou à Madagascar, par exemple, où il a beaucoup été étudié. Et où je vais prochainement, là, dans un mois. L'agriculture urbaine en France, et il se trouve que j'avais ce matin un rendez-vous téléphonique avec un des pilotes de l'agriculture urbaine, l'agriculture urbaine en France, l'agriculture intra-urbaine, hein, dans Paris, pas en Seine-et-Marne ou dans l'Oise, dans Paris, c'est quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas à visée productive. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. C'est à la fois des notions de lien social, des notions de compréhension, et puis aussi des notions d'îlot de fraîcheur, etc. Mais ce n'est pas véritablement nourricier. Je pense, je me souviens de passage à Dakar ou à Brazzaville, il y a une dimension nourricière dans l'agriculture urbaine africaine. Donc c'est très très différent. C'est très très différent. L'agriculture périurbaine, les ceintures vertes, c'est autre chose. Là, c'est pour produire, et la relocalisation de la production, notamment de la production légumière, en France, est un véritable enjeu. Mais c'est aussi des savoir-faire. Après, sur la question des ce que les chercheurs, je ne suis pas du tout chercheur, moi, ce que les chercheurs appellent les savoirs profanes, et la grosse question, est-ce que les savoirs qu'ils ont sont des savoirs sacrés, les chercheurs? Non, ils ne sont pas sacrés. Mais il y a les savoirs profanes, c'est-à-dire qui sont ou les savoirs, les connaissances autochtones, qui ont longtemps été méprisées et qui aujourd'hui ne sont pas l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que la science est importante. Mais ils doivent servir aussi d'appui. Et la science, pas la totalité, mais une partie aussi, sert à comprendre pourquoi telle pratique ancestrale est intéressante. On sait qu'elle produit des effets, mais on ne sait pas pourquoi. La science explique pourquoi. Et c'est en ça qu'il y a une complémentarité entre les savoirs dits autochtones et les savoirs scientifiques.
pour la séance permet de comprendre, pour amplifier, pour accélérer, pour produire davantage quand on en a besoin, ou produire plus propre quand on en a besoin. Donc c'est en ça que les savoirs autochtones sont dits autochtones sont intéressants. Mais je suis pas sûr que la question elle était vraiment là. Le lien avec, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Mais le lien avec la mécanisation, il y avait un lien avec la mécanisation. On dit on perd ses savoirs. Si les savoirs, ce que j'appelle moi les savoirs fondamentaux de l'agronome, ou du zootechnicien, il doit les avoir. Et après, comment on appelle, la mécanisation, le numérique ne remplace pas ces savoirs. Ils permettent d'éclairer, d'aller plus vite, que ce soit moins pénible. Mais je vais faire une comparaison tout à l'heure. L'agriculteur qui serait un expert d'Excel et de je ne sais quoi et qui ne saurait pas reconnaître une mauvaise herbe, ça va pas. Ça va pas. C'est exactement comme l'histoire des. Bon, la génération actuelle, le problème se pose plus, mais à ma génération, moi, quand j'ai démarré à l'école, il n'y avait pas les machines à calcul. Les calculettes, on n'avait pas ça. On était encore sur la règle à calcul, les ingénieurs. Mais quand la machine à calcul est arrivée, ça a remplacé, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont capables, avec la machine à calcul, d'avoir trois chiffres après la virgule, mais c'est de se tromper d'une puissance 10, de se gourer sur la place de la virgule. Et c'est bien parce qu'ils ne comprennent pas. Donc il faut à la fois garder ses grands repères, garder ses connaissances de base fondamentales et utiliser la technologie. Mais la technologie ne se substitue pas. Dans le champ que je connais bien, le champ du conseil, tous les outils numériques d'aide au conseil, ça n'est pas du conseil. Ce sont des outils pour fabriquer le conseil, mais ce n'est pas le conseil. Le conseil, c'est avant tout une interaction avec le chef d'entreprise que l'on conseille. Les outils permettent d'aller plus vite plutôt que de faire les calculs à la main ou d'avoir de feuilleter un bouquin, etc. Mais le fond, c'est les savoirs et c'est l'interaction avec son client. Merci, Monsieur Cerroni. Dernière question pour vous, Madame Boucheron, si vous pouvez nous répondre en 2 minutes chrono. Dans quelle mesure la formation des agriculteurs en tête de chaîne est-elle différente de celle de l'agroalimentaire en fin de chaîne? La cohérence est-elle nécessaire? Et si oui, y a-t-il des marges de progrès? Je pense que c'est une question que vous avez déjà abordée dans votre deuxième réponse. Oui, évidemment qu'il y a un lien. Il y a un lien à faire. Il y a de vraies passerelles. Il est clair que l'amont agricole ne peut pas être du tout décorrélé de la partie transformation, donc de l'industrie agroalimentaire. Les formations ne sont pas les mêmes parce que y a une différence. Effectivement, les machines ne sont pas les mêmes. Le quotidien n'est pas le même. Le traitement du produit n'est pas le même, c'est-à-dire que si on simplifie à son extrême au niveau de l'agriculture, on produit, enfin, finalement on a la matière, on a la matière initiale qu'on fait émerger du sol, par exemple, et puis ensuite ce produit-là, on vient le transformer en industrie agroalimentaire pour donner son biscuit, pour donner son chocolat, pour donner son yaourt. Enfin, voilà. Donc, évidemment, les métiers ne sont pas les mêmes. Néanmoins, à mon sens, si les formations doivent évoluer pour appuyer ce lien, effectivement, il faut qu'il y ait ce sens qui soit donné, cette visibilité, ce regard, cette vision, en se disant que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on parle bien de toute une filière qui travaille ensemble. Et donc, du coup, je rejoins ce qui est dit sur la différence des formations et en même temps une nécessaire cohérence qui doit être encore plus affirmée. On parlait rapidement, parce que je sais que le temps est compté, mais on parlait tout à l'heure des difficultés de recrutement et des difficultés d'attractivité. Le secteur agroalimentaire,
peut gagner en attractivité, mais au même titre que l'amont agricole peut gagner en attractivité auprès des jeunes et puis des personnes qui sont en emploi dans d'autres secteurs d'activité, tout simplement si on arrive à faire voir, donner à voir le lien qu'il y a entre cet amont agricole et l'industrie agroalimentaire, faire comprendre que ça a du sens et que tout est lié, et surtout que la mobilité professionnelle entre ces deux univers, qui finalement ne représentent qu'un seul univers, est tout à fait possible. Et donc, accentuer les formations pour favoriser cette mobilité professionnelle, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Il me semble que les compétences professionnelles et les connaissances d'un agriculteur dans l'industrie agroalimentaire et inversement seraient tout à fait intéressantes à exploiter, on y gagnerait. Très bon mot de la fin. La mobilité professionnelle est possible entre l'amont agricole et l'aval agricole, donc à accélérer. Nous arrivons, messieurs, dames, à la fin de notre session. Nous avons largement dépassé le temps d'antenne. J'espère que ce webinaire néanmoins vous a plu. Je remercie notre public et grand, grand merci à nos intervenants pour cet échange passionnant. J'espère qu'on se reverra autour d'un autre sujet. Et si vous souhaitez revisionner cette vidéo, vous pouvez toujours le faire via la page YouTube de l'OCP. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition des tables rondes de Trade Union organisées par le groupe OCP. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.